Honneur au président. Ok, donc moi c'est Yann, président de la Société de Carnaval et également secrétaire de la coopérative Maison du Carnaval où nous nous trouvons actuellement. Cédric Bietri, responsable des cochers de clic, ancien responsable du Bal des Vieilles, coordinateur avant que Yann devienne président et vice-président de la Maison du Carnaval. Bon, c'est comment on les choisit, c'est que ben, dans le comité, au tout début, on en est maintenant à se poser la question pour 2022, hein, vu qu'on espère bien sûr faire un carnaval complètement normal. Et puis, donc c'est de se dire à partir de maintenant, de dire voilà, on a besoin d'une personne, qui c'est que vous voyez un petit peu qui pourrait remplir ce rôle. Parce qu'il est vrai que c'est pendant 3 jours où on demande quand même à cette personne d'être présente. Puis elle a quelques missions, c'est quand même être présente lors de l'intronisation, être présente aussi pendant le cortège, animer le cortège, être aussi là pour la remise des clés, avoir quand même, du fait de sa nomination, du fait qu'elle devient citoyenne première de Trisville, un discours pour toutes ses ouailles. Donc justement une préparation aussi d'un discours, lire ce discours et puis après justement être présent dans les établissements publics de la ville le dimanche. Le lundi, être présent au Bal des Vieilles, parce que c'est lui ou elle qui est le président du comité pour le concours avec sa cour ou d'autres personnes. Et puis le mardi, de nouveau refaire le cortège pour les enfants. Et c'est vrai que depuis quelques années, être présent pour les enfants, parce que le prince ou la princesse remet les goûters ou sert l'été aux enfants après le cortège du mardi. Et puis après être présent jusque tard dans la nuit ou tôt le matin dans les établissements de Delémont pour le mardi. Quoi. C'est un peu ça sa mission. Et on peut peut-être ajouter qu'on a un peu une dernière subtilité ces dernières années. Hein. Comme partout, on parle beaucoup de durabilité. Donc maintenant, on essaye d'avoir des princes ou princesses recyclables. On va me dire, qu'est-ce qu'on entend par recyclable? C'est qu'on les récupère au comité après. Voilà. Non, plaisanterie mise à part, hein, pas que ça fasse peur aux futurs monarques. Puis j'ajoutais encore quelque chose, vu qu'on a dit que c'est souvent un prince ou une princesse, voire éventuellement un couple princier qu'on avait eu. Mais cette année aussi, on fait différemment, vu que c'est quand même une institution donc, qui est devenue princesse ou prince pour cette édition. 2021 un peu spécial quoi, donc c'était là aussi innovateur du fait que justement vu la situation on avait 3 personnes puis tout de suite est venu à notre idée que ça serait une bonne idée d'avoir cette continuité aussi vis-à-vis de l'exposition qui débutait juste après le carnaval. Donc pour préciser cette année la princesse ou prince, c'est donc le musée jurassien, oui. D'art et d'histoire. Oui, c'est juste.